Jésus, de te célébrer pour ta grâce infinie pour nous. Tu fais de grandes choses chaque jour, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est ton nom. Jésus, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont si glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur! Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Cette émission, elle a démarré avec une atmosphère du Saint-Esprit, avec vraiment la joie du Seigneur qui nous enveloppe comme ça. Et on aime ce type d'émission. Vous êtes dans Wake Up sur l'Humeur du Monde Télévision. Shalom chez vous, soyez bien installés. Nous démarrons maintenant, mais je vous présente nos invités. J'ai la joie, l'immense joie d'avoir avec moi ce matin le pasteur Philippe de Kourou. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe le séjour? Mais ça se passe très très bien, ça touche à sa fin. Oh malheureusement. Hein. Mais ça se passe bien, on est reconnaissant. Amen, amen. Et puis vous l'avez entendu, cette belle voix, elle c'est Estelle Issouma, c'est l'artiste du jour à l'affiche. Bonjour Estelle. Bonjour Prisca. Tu me permets de te tutoyer quand même, on se connaît. Ah oui bien sûr. C'est ma sœur en Christ et je suis tellement heureuse de te recevoir. Moi aussi, dans Wake c'est, Up. C'est un grand plaisir d'être là. Amen, gloire à Dieu. Et puis, vous avez remarqué, nous sommes en minorité en général, c'est parité. Mais pour cette fois-ci, exceptionnellement, bon, c'est la Noël, on peut tout se permettre. J'ai ces deux messieurs-là qui sont là, en même temps. Ouais. Coucou Aristide, coucou Jean-Jacques. Bonjour Prisca. Alors, Aristide. Ouais, c'est le concert, c'est ouais. Le concert des ouais, hommes. Toujours en symbiose, hein. Il est en bleu, je suis en bleu. Arrêtez, c'est mon partenaire, mon frangin. Mais qu'est-ce que vous croyez, nous aussi, on est en symbiose? Ah oui, c'est du coup. Quelle symbiose, en tout cas. Oh, merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de vous avoir tous ici. Je suis très heureuse d'être avec vous. Et nous allons démarrer cette émission, comme vous le savez, par la parole du Seigneur. Et c'est le pasteur Philippe qui nous enseigne dans Méditons Ensemble. Pasteur Philippe, on médite la parole du Seigneur. Les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, avec un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 12 à 14, amen. Où Jésus dit, c'est ici mon commandement. Je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Si vous le permettez, je vais prier. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole, de nous donner de l'entendre, de la comprendre, afin que nous puissions la méditer et surtout au final la mettre en pratique. Ta parole est la vérité. Ta parole nous conduit vers la liberté. Ta parole est notre mode d'emploi et la feuille de route de la réussite de notre vie. Quelqu'un a dit, la parole de Dieu nous éloigne du péché, le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Seigneur, rends-nous amen. Attentifs aujourd'hui à ta parole. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. L'amour, déjà dans l'ancienne alliance, était le commandement qui résumait le message de Dieu. C'était le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et quand Jésus donne cet enseignement-là, il est à la porte de la passion. C'est le dernier évangile, le dernier des quatre évangiles dans l'ordre biblique, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ce chapitre 14 fait partie du dernier enseignement de Jésus juste avant sa passion. Donc, il est à prendre particulièrement au sérieux. Ce sont les dernières paroles que Jésus va adresser à ses disciples. Et il va leur dire, je vous donne un commandement nouveau. C'est nouveau. Ça ressemble à l'ancien, n'est-ce pas? Mais
L'ancien, c'était « Aime ton prochain comme toi-même ». Le niveau est déjà assez haut. Jésus va plus loin. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. Et ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. C'est son commandement. Ça résume, cette phrase, ce commandement résume à elle seule ou à lui seul l'enseignement de Jésus, ce qu'il désire pour ses enfants. Ces enfants qu'il appelle ses amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et c'est intéressant, il y a d'autres versets dans 1 Jean 4,12. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. L'amour de Dieu demeure en nous. L'amour est parfait en nous. Et dans 1 Jean 4,8, nous avons ce texte qui est fort, où Dieu nous dit, celui qui n'aime pas, Dieu est amour, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et beaucoup de gens dans ce pays en particulier, c'est très différent, la Côte d'Ivoire est très différente de l'Europe, on voit des taxis marqués Dieu est amour, on peut parler de Dieu librement, ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Quand tu parles de Dieu, les gens sont très vite réticents, très vite braqués. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Mais ce qui m'interpelle en tant que missionnaire, qu'évangéliste, c'est de voir un pays où il y a tant de gens qui se disent chrétiens et où le pays est dans l'état qu'il est. Alors on peut accuser les Européens, les Occidentaux, le gouvernement, etc. Mais le Seigneur dit dans Jean 8, 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et je suis interpellé, sensible, c'est la quatrième fois que je viens en Côte d'Ivoire, j'ai fait d'autres pays africains qui vivent, certains, la même réalité, je pense au Congo en particulier, ou à d'autres pays, la République centrafricaine. Et je pense que les enfants de Dieu, je fais une différence entre le terme chrétien et le terme enfant de Dieu. Parfois, ça m'est arrivé dans un avion, je parle avec la personne à côté de moi, elle me dit « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Je dis « Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous mettez derrière ce mot et je vous dirai si je suis aligné. » Parce qu'il y a 2,3, statistiquement 2,3 ou 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, alors que 12 disciples de Jésus ont changé la face du monde il y a 2000 ans. Les 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, s'ils changeaient grand-chose, on l'aurait vu. Oui. Il semble que le monde est toujours pire, on est toujours plus dans une perte de valeur, dans une décadence, dans une immoralité croissante. Donc, où est le problème ? Le problème, c'est de revenir à la parole de Dieu. Et j'ai l'impression, lorsque je parle avec... On a rencontré des pasteurs, on a rencontré des églises. Déjà, il y a une méconnaissance de la parole de Dieu. Et tu as l'impression que les gens ne connaissent pas. Et quand tu entends ce qui se passe parfois dans l'église avec un grand « et », et croyez-moi, lorsque je tiens ce propos, c'est avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, je ne viens pas en donneur de leçons, je viens en serviteur. Je viens en serviteur, je suis quelqu'un qui, il y a 25 ans, à qui Dieu a mis dans le cœur un amour pour l'Afrique, pour mes frères et sœurs africains, pour venir là, pour servir. Je suis auteur-compositeur, j'ai fait des tas de CD, de DVD, de livres. Nous ne vendrons rien ici. Tout ce que j'apporte ici, des milliers sont arrivés ici. Je ne viens pas faire du business, je viens pour servir. Parce que Jésus a changé mon cœur. Amen. Et je me dis que le peuple de Dieu a besoin de revenir à la parole de Dieu. Lorsque dans Jean 14, il est parlé du cep et des sarments, Jésus nous explique, tout le monde connaît cette parabole, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Tout sarment qui ne porte pas de fruits, le vigneron, le père, le retranche. Il est coupé, il sèche, il est jeté au feu. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il en donne encore davantage.
Qu'est-ce que le fruit ? Qu'est-ce que le fruit ? Le premier fruit, c'est l'amour de manifester concrètement ce que Jésus est venu apporter sur terre. Il est venu aimer, il est venu servir. Et combien de gens, malheureusement, dans l'Église, se servent des autres ? Combien de pasteurs, de prophètes, d'apôtres qui ne sont même pas des loups déguisés en agneaux, ce sont des loups déguisés en bergers. Wow. C'est dramatique. Nous étions dans un taxi l'autre jour, le jeune chauffeur disait « Je suis dégoûté des pasteurs, j'ai été trompé, abusé. » On voit des choses, on voit des chantres qui, pour pouvoir produire leur album, sont obligés de céder, obligés entre guillemets, sont, en tout cas, on leur met la pression pour qu'ils puissent, pour qu'ils cèdent à des propositions indécentes, qu'ils soient femmes ou hommes. Il y a tellement de choses dans l'Église. Celui qui aime est de Dieu. Amen. Et j'ai l'impression parfois que il faut revenir à la parole de Dieu. Celui qui aime est de Dieu, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Et Jean Jésus, dans Jean 14, 7, disait « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles demeurent en vous. » Et ça, c'est tellement important. Il faut vraiment revenir à cela. Et j'aimerais juste terminer, si vous le permettez. J'interpelle des pasteurs. Et je leur disais hier, on avait une réunion de pasteurs, je leur disais hier, est-ce que vous pouvez dire à vos brebis, soyez mes imitateurs ? Question. Mais vous devriez. Je devrais pouvoir dire à mes brebis, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Paul. C'est Paul qui disait ça. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je devrais pouvoir dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Paul qui l'est lui-même de Christ. Imitez-moi. Parce que dans Hébreux 6, 11, 12, il est dit, nous vous encourageons à imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. En tant que pasteur, que père spirituel, je dois être une figure à imiter. Mais pour ça, il faut que je marche dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et la première chose que Dieu me demande, et j'aimerais finir sur ça, la première chose, c'est Marie, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Je sais que dans certains pays africains, il y a certaines coutumes qui font que les maris peuvent se permettre de traiter leurs femmes. Ils vont dire, c'est dans notre culture. Mmh. Mais lorsque ta culture est en porte-à-faux avec le royaume de Dieu, tu as un problème. Mmh. Avec la culture, nous sommes appelés à marcher dans la culture du royaume de Dieu. Aime ta femme. Et j'aimerais m'adresser face caméra aux pasteurs, à ceux qui se disent « je suis enfant de Dieu », à ceux qui pensent que Jésus est leur ami. Si tu n'aimes pas, tu ne respectes pas ta femme, si tu n'honores pas ta femme, il faut te repentir. Tu as un problème. Nous avons créé un collectif qui s'appelle I Respect Women. C'est pour ça que j'ai mis cette petite accessoire. Je respecte les femmes et je suis appelé à aimer ma femme. Les vrais hommes, real men respect women. Les vrais hommes respectent les femmes. Mais mes amis, ça doit commencer dans l'Église. Si je ne suis pas capable de ça, je suis disqualifié. Je suis à côté. Merci beaucoup, man, pasteur. Wow, quel enseignement. Ouais. Quel enseignement. Wow. Je pense que ce matin-là, vous en avez pris pour votre grade. Hein. Oui. Respectez vos femmes. Oui, c'est un bon message. Et surtout, partageons l'amour. C'est ça le message de pasteur ce matin. Il faut qu'on manifeste l'amour dans la maison du Seigneur. Il faut qu'on soit de bons modèles pour que cet amour qui va émerger de nous, autour de nous, va emmener des personnes au Seigneur. C'est ça. C'est clair. Exactement ça. Gloire à Dieu et j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pourrez le revoir en replay sur YouTube, sur Facebook et toutes nos plateformes LMTV. Soyez bénis chez vous. Nous partons tout de suite pour le petit coucou. Alors, vous le savez, le petit coucou, il s'agit pour vous de nous envoyer vos vidéos de 20 secondes au plus 225 07 08 00 17 73. Soyez bénis de là où vous êtes. Nous faisons un coucou à tous ces pays-là qui nous suivent, Tchad, Burkina, RDC, Brazza, qui encore France, Togo, Belgique. France, Belgique, Suisse, et puis Canada,
Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des coucous à faire. Je ne veux pas parler de mes sœurs aujourd'hui. Là. Non, 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 je ne veux pas. Je vous laisse la primeur. C'est entre vous, les hommes. Bon, je vais faire un coucou à mon frère qui est à Paris. Shalom, frère, que Dieu te bénisse. Aussi à ma sœur qui est à Paris. Mais le frère, il n'a pas de nom. Si, frère Arsène, mon frère Arsène. Arsène Denis et puis aussi Léontine Kouassi à la Paris. Que le Seigneur vous bénisse et puis recevez la salutation de toute l'équipe. Wake up. Salut, salut la famille. Sinon, il allait payer une offrande. Si, on n'avait pas dit le nom. La France est à l'honneur aujourd'hui. Je vais saluer aujourd'hui Yaël Chevrier qui est là-bas en France et qui nous suit par la grâce de Dieu aussi. Saluer mes frères et sœurs depuis la Côte d'Ivoire, la Team de Feu, et saluer vraiment toute la famille d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Et puis continuez de prier pour l'équipe. C'est pas facile. On est très souvent sujet à des attaques. Hein, ouais. Parce que quand on sert Dieu et qu'on y met son cœur, forcément, le diable ne se réjouit pas de ce qu'on fait. Nous allons tout de suite et maintenant pour Culture Actu avec Aristide. Alors Aristide, tu nous parles des chrétiens qui s'organisent pour les Jeux Olympiques. Justement, je disais tout à l'heure à l'entame que la France est tellement aujourd'hui à l'honneur. Parce que là, nous sommes encore en France, principalement à Paris. Nous parlons là d'une année nouvelle, parlons de 2024, il y aura une compétition organisée, mais les chrétiens ne voudraient pas rester en marge de cet événement. Donc, le comité d'organisation relativement aux chrétiens, une plateforme a été déjà mise sur pied et les rues de Paris seront vraiment prises d'assaut par les chrétiens. Les chrétiens ont décidé de vraiment glorifier Dieu lors de ces Jeux. Ça veut dire quoi? Des Jeux Olympiques, le pasteur a parlé tout à l'heure de il faut partager l'amour. Mm-hmm. L'amour, ici, là, c'est aussi donner Jésus-Christ à celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ultime amour, d'ailleurs. Voilà, plusieurs viendront de plusieurs pays pour venir participer à ces Jeux Olympiques. Donc, pourquoi pas, nous aussi qui avons reçu Christ, pourquoi pas profiter de l'occasion, partager leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ se venir aux besoins de ceux qui certainement sont dans le besoin. Mm-hmm. Pourquoi pas? Donc, à Paris, pourquoi pas, peut-être la Team de Feu, ouais. la Team Vie, la Team Wake Up sera, ouais, voilà, représentée là-bas. Pourquoi pas pour encore proclamer Jésus-Christ de Nazareth et puis peut-être en donner peut-être un numéro de Wake Up là-bas pour encore proclamer le nom de Jésus-Christ. Ah, donc ouais, là-bas à Paris, je rappelle que Jésus-Christ sera au rendez-vous, l'évangile sera annoncé et je crois que le royaume des cieux sera encore peuplé. Amen. En tout cas, je pense que c'est une très belle opportunité parce que c'est des millions de personnes, justement, donc potentielles converties, que cette équipe-là pourra rencontrer et emmener au Seigneur. De toute façon, on est né pour servir, on est né pour annoncer l'évangile et on ne se lassera pas de le faire. Sois béni, Aristide. Amen. Vous le savez, c'est le vendredi et nous recevons notre invité à l'affiche, Estelle Essouma. Coucou Estelle. Coucou Prisca. Bon, bienvenue à l'MTV. Hein. Merci. Maintenant, la porte est ouverte. Et on est très heureux de te recevoir. Et moi aussi. Alors, chantre, leader, coach vocal. Aujourd'hui, la interprète. Alors, comment est-ce que tu as découvert ce don-là que le Seigneur t'a donné? En tout cas, il t'a fait grâce. Amen. Alors, j'ai découvert ce don, je vais dire, depuis toute petite, parce que j'ai grandi dans une atmosphère familiale où il y avait le chant, papa il chante, maman aussi a fait pas mal de chœurs avec certains artistes, mais dans le monde. Et par la grâce de Dieu, quand ils se sont convertis, ils nous ont enseigné la voix et le ministère a accompagné automatiquement. Les frères et les sœurs ont baigné également dans une atmosphère musicale. À l'église, on était déjà tous dans des groupes musicaux. Ben, c'est comme ça que c'est parti en fait, à la maison. Dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Donc, tu comprends un peu que des fois, c'est un peu héréditaire. Ouais, c'est un peu héréditaire. Tu vas faire beaucoup d'efforts. et puis à la vérité, tu es journaliste de profession. Oui, je suis également journaliste de profession sur les chaînes de télé. Mais comment tu arrives à combiner ton travail, coach vocal, et puis participer à des concerts? Parce que je sais que tu as accompagné beaucoup d'artistes internationaux. Oui. Maggie Blanchard, Derek Jones, etc. Mm-hmm. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ah, on va dire que c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Amen. Et puis le Saint-Esprit nous enseigne une certaine organisation dans tout ce qu'on fait. Mm-hmm. Le travail, c'est le Seigneur qui le donne. Donc quand il faut également le servir, il te donne
des orientations pour pouvoir mieux t'organiser dans ton temps. Donc, je veux dire que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'aide. Ça, il n'y a pas d'astuce en particulier, non. C'est que le Saint-Esprit. Tu as une question qui te vient ou pas? La question qui me vient tout de suite en esprit. Tu veux prendre rendez-vous du coaching? Non, je donne la parole, là, je vais profiter. Chanter, ça s'apprend ou c'est inné? Je vais dire les deux, parce qu'on peut, on peut naître avec cette graine musicale en soi, mais on peut aussi se peaufiner pour devenir meilleur dans la musique. Et j'en connais pas mal qui n'avaient pas forcément la graine musicale, mais parce qu'ils aspiraient à devenir des chanteurs ou des musiciens en tout court. Ils se sont formés et aujourd'hui, ça a payé. Donc moi, je dirais les deux. Et ça va dépendre du coach qu'ils ont choisi. Voilà, justement. Ça va dépendre du coach. Très important. Moi, j'ai la graine, mais je ne sais pas. Voilà, exactement, comme le pasteur l'a dit. Mais je pense que là, tu as trouvé quelqu'un. J'ai la graine et j'ai trouvé le coach. Là, je serais honoré de te coacher. Ah, ben ça valide. J'ai été prof de chant classique, donc je sais reconnaître un talent et je pense qu'avec une voix comme celle-là, je pense que tu as trouvé la coach. Ne cherche pas plus loin. Amen, pasteur validé. Bon, toi, tu vas prendre rendez-vous coaching. Bon, elle a du pain sur la planche, en tout cas. Nous, on est bénis de t'avoir et on voudrait encore entendre cette voix-là que le Seigneur t'a donnée. Et entre autres, est-ce qu'il y a un album, quelque chose? Parce que tu accompagnes beaucoup de chanteurs. Bien sûr. On attend ça impatiemment. Il y a forcément un album qui est en train d'être préparé. Mm-hmm. La Bible dit que chaque chose en son temps. Donc voilà, j'y vais tout doucement. Et quand le moment sera venu, ben, le Seigneur fera grâce, tout le monde le verra. Amen, ce sera l'explosion et on sera là. Ouais. On sera là, en première ligne. La composition que tu viens d'interpréter, elle est de toi? Ce sont tes propres compos? Non, c'est juste une interprétation. D'accord. Pas mes propres compos. Ce chant était magnifique. Et magnifiquement interprété. Amen. Sur ces paroles du pasteur, on va aller en musique. Et puis que le Seigneur bénisse Lotte, qui est notre pianiste du jour. Amen. Et qui fait de la belle, belle, belle musique. Sois béni, Lotte. Nous te rendons gloire, Jésus, toi qui nous a aimés le premier. Et en retour, nous voulons aussi t'aimer au-delà de tout. Tu es Jésus, notre rempart, notre refuge, et nous t'adorons. Alléluia, je donne gloire, je donne gloire, gloire à l'agneau, je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oui, je donne gloire à Jésus, je donne gloire à celui qui m'aime tant. Sois béni, quelle voix, quelle onction. On est béni d'avoir ce genre de chantre avec nous dans les week-ends de Wake Up, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais, n'est-ce pas? Wake Up. Et puis j'ai entendu chanter. Hein. Oui, oui. Il y a un peu de matière quand même, pasteur le disait. Là, oui, j'entendais, justement. Une infime graine. Heureusement que la graine y est. C'est beau, c'est déjà bon. C'est déjà pas mal. C'est beau. Oh, tu es béni, mon frère. On part tout de suite pour le Trick Box avec Jean-Jacques.
aujourd'hui, Jean-Jacques nous fait un trick box. C'est exceptionnel. Hein. En fait, on est en décembre. Et en décembre, c'est la magie. Et il va nous faire de la magie. Comment ne pas pleurer quand on épluche un oignon? C'est justement quelques astuces pour ne pas pleurer en épluchant un oignon. Alors, cette astuce, ça est née d'une expérience. J'étais en train de faire quelque chose à la cuisine. Jesus Christ. Voilà, je faisais quelque chose à la cuisine. Il n'y a pas que des dames, d'ailleurs. Il ne faut pas me faire dire que tu as cramé le poisson, que tu as fait manger un poisson cramé à ta femme. Je n'ai plus repris ça encore. Je suis une preuve palpable de t'aimer. Bien sûr, Aristide, il a déjà goûté. Donc, je faisais juste une pâte. Mais pourquoi rire? Je faisais juste une pâte pour accompagner les omelettes que j'avais déjà cuisinées. Mes yeux n'ont pas vu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce que mes yeux n'ont pas vu, je ne peux pas y croire. Ouais, il faut croire. Ceux qui ont pris sans avoir goûté. Ça ne s'applique pas à sa nourriture. À partir de là, j'ai commencé, pendant que j'étais en train de découper les oignons, j'ai senti des picotements au niveau des yeux. Et puis j'ai dit, mais quel est ce problème? J'ai demandé à mon épouse, et effectivement, habituellement, lorsque nous découpons les oignons, nous sommes toujours infectés par les yeux et ça brûle fortement. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'astuce que vous utilisez pour pouvoir éviter cela? Elle m'a dit, ici en Afrique, on a une seule astuce. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe juste un petit morceau, on pose sur la tête, sur le là. Ouf. Oui, oh mon Dieu. Un petit morceau, on met sur la tête là et tu découpes tes oignons, tu n'auras aucune infection au niveau des yeux. Les mystères de l'Afrique. Incroyable talent. Les mystères de l'Afrique. Mais là, j'ai aussi préparé, en plus de cette astuce, j'ai aussi préparé quatre astuces. Ouais. Voilà quatre astuces. Numéro 1, les lunettes de plongée. Et oui, un peu ridicule, hein, un peu ridicule, mais très pratique. Coucou Kate, il est en train de massacrer ta rubrique là. Voilà, Kate, je passe sous ton couvert, Kate. Voilà, que Dieu te bénisse. Moi, je pense qu'elle va approuver. Astuce numéro 1, les lunettes de plongée. C'est un peu ridicule parce qu'on utilise les lunettes de plongée pour aller à la piscine. Mais mon frère. En vérité, qui plonge? Bon, surtout ceux qui sont en Europe, souvent utilisent ça. Ils ont des lunettes. Donc, ils peuvent utiliser ça en cuisine. Pour protéger les yeux de gaz émis par l'oignon. Deuxième astuce, c'est l'allumette à moitié brûlée. Comment l'utiliser? Vous placez une allumette à moitié brûlée entre les dents. Cirez cela entre les dents et vous découpez l'oignon. Vous ne serez point infecté par cette brûlée-là. Et oui, je vais vous le dire. Hein. Essayez. Il y a aussi le jus de citron. Estelle sourit beaucoup. Elle dit, oui, elle dit, essayez chez vous à la maison. Donnez en commentaire. Essayez, mettez en commentaire. Je viendrai vous dire pourquoi l'oignon pique dans les yeux pendant que vous découpez. Mais pour le moment, prenez les astuces. Ah oui. Alors, numéro 3, le jus de citron. Vous pouvez mettre également du jus de citron sur la lame du couteau. L'acidité du citron va permettre d'éliminer celle de l'oignon. Et vous êtes tranquille. Numéro 6, la bougie. Vous placez une bougie allumée à côté de la planche à découper. Le gaz de l'oignon va être attiré par la flamme qui va le détruire. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le chef Custo, en devenir. Voilà. Bon, tant que tu crames rien et que tu sens des astuces comme ça, non, je vous apporterai ça. Ça me va. Et pour compléter, vous savez, l'oignon, nous sommes en décembre. Et l'oignon, c'est le condiment indispensable pour tous les faire la bonne cuisine. Et tout le monde va l'utiliser vu que nous sommes en période de fête. Et très agréable en bouche, mais pourtant, il est moins agréable au moment de l'éplucher. Mais l'explication de ce phénomène est simple. En effet, en terre, l'oignon absorbe le soufre présent dans le sol. Lorsqu'on le coupe, le gaz se libère. Pour expliquer plus terre à terre, l'oignon est enterré. Lorsque l'oignon donne, on retrouve la gousse juste en bas. Donc, quand on déterre, il y a un phénomène qui se produit. Ce phénomène est simple, c'est qu'en terre, l'oignon étant en terre, absorbe le soufre. Le soufre qui est présent dans le sol. Et lorsqu'on le découpe, qu'on sent le gaz s'évapore. Et voilà. Donc, utilisez ces astuces et ça vous fait du bien. Pour éviter que ça vous picote les yeux, parce que ça fait très mal. Oui. Très mal. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et puis, merci. Mère astuce, je pense qu'elle va venir récupérer sa rubrique. Oui. Parce que là, tu fais un peu trop bien. J'aime pas trop. Moi, ma quête me manque quand même. J'ai fait du bénévolat là. En tout cas, sois béni. Ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est dans le saviez-vous avec Aristide. Alors aujourd'hui, on parle des sept paroles de Jésus avant sa mort à la croix. Ouais. Dis-nous en plus. Voilà, sept paroles. Il faut dire que chacune des paroles dites par le Seigneur Jésus-Christ
ont quand même un sens très important dans la vie du chrétien. Et aujourd'hui, peut-être que tu ne savais pas combien de paroles avaient été dites par le Seigneur sur la croix. Je t'en donne 7 aujourd'hui. Et bien sûr, 7 paroles ont été dites par le Seigneur. Et la première des paroles que le Seigneur a dites, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On peut trouver cela dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Dieu l'a, enfin Jésus-Christ, prie pour ceux qui l'ont cloué à la croix. Qui lui font du mal. Il leur accorde le pardon. Donc, l'amour de Dieu est encore manifeste là. Amen. La deuxième des paroles, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il parlait là du voleur, voilà, sur la croix, dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 43. La troisième des fois, c'est « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Dans Jean, chapitre 19, verset 26 à 27. 4. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri d'angoisse du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, bien sûr, portant ainsi nous nos péchés. Nous pouvons voir cela dans le livre de Matthieu 27, verset 46. 5, où Jésus dit « J'ai soif ». On peut retrouver cela dans Jean 19, verset 28. 6, « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Et 7, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après quoi, la mort s'en est suivie. On peut voir cela dans Luc, chapitre 23, verset 46. Amen. En fait, on en apprend des choses. Hein. C'est-à-dire que la Bible, pasteur, on peut la décortiquer autant de fois. On peut lire un même verset et avoir plusieurs enseignements à travers ce même verset-là. Et je pense que vous, en tant que serviteur de Dieu, vous arrivez à donner de différents messages à travers un seul, voilà, plus de profondeur à travers un seul verset. Oui, ce qui me préoccupe, c'est d'arriver à vulgariser la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle soit accessible et surtout, comme il est dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et on rencontre des chrétiens, des serviteurs de Dieu, parfois, qui ont toute une connaissance théorique 10 fois, 20 fois supérieure à celle que j'ai de la parole, mais qui peinent à rejoindre les fidèles pour justement leur permettre de mettre en pratique, le « tout est accompli ». Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans ce « tout est accompli » ? Comment saisir la parole de Dieu ? Comment la mettre en pratique ? Comment se l'approprier ? Comment s'approprier les promesses ? Comment cette parole, quand elle est saisie, comprise, mise en pratique, va nous transformer ? Nous allons être transformés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous allons vivre cet amour concret qui transforme et qui doit se voir lorsque, idéalement, lorsque je suis en présence de personnes qui ne connaissent pas Jésus, au bout d'un moment, je ne devrais pas avoir besoin de leur parler de Jésus. Ils devraient voir une différence. Ils devraient, au bout d'un moment, quand tu fréquentes les gens, quelqu'un disait « parler de l'Évangile, parler en tout temps, toute occasion. » Et s'il le faut, occasionnellement utiliser des mots. Ça veut dire que notre vie, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, si mes actes ne parlent pas, alors il vaut mieux que ma bouche se taise. Merci. Amen. En tout cas, on a été très, très, très bénis, édifiés par cet enseignement et je pense que le mot maître de maître mot de cette émission, c'est amour. Amour, 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 amour pour le service, amour pour son frère, amour pour sa... Et moi, je vous aime, mes frères. Oui, nous t'aimons aussi. Vous cognez la tête. C'est pour tout ça que je vous aime. Et le Seigneur est glorifié. En tout cas, j'ai été très heureuse de passer ce moment-là avec vous, Estelle. Vraiment, on t'attend ici à LMTV avec ce que le Seigneur te mettra à cœur de faire. Yes, je serai ravie de revenir. Amen. Et c'est sur ces paroles que nous allons achever cette émission, mais on ne l'achève pas juste sur des mots. Hein. Elle va clôturer cette émission avec une très belle chanson. Que le Seigneur vous bénisse. Faites attention à vous. Demeurez ferme dans la prière. Ce sont des temps assez particuliers. Hein. Les gens vont vite, les gens conduisent mal. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
cette émission avec le verset boussole que Jean-Jacques va nous transmettre. Le verset boussole, Jean 15, verset 12. Ici, c'est mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Soyez bénis chez vous, que le Seigneur vous garde. Prenez soin de vous et que la parole du Seigneur demeure en vous, dans votre cœur. Et il faut la mettre en pratique, comme le pasteur Amen. Le disait. Soyez bénis, shalom. Dieu vous bénisse. Tu étais là dès la création. Fils unique, Dieu, Dieu très haut. Alléluia. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi, oui, ressuscité. Jésus, oui, tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil.